Ça, c'est de la condensation de cinéma. Cette série de vidéos ne s'arrêtera jamais. Au cinéma, si tu as une bouteille qui doit paraître comme venant de sortir du frigo, une des méthodes utilisées pourrait être de prendre de l'eau mélangée à de la glycérine. La glycérine, c'est ce produit un peu visqueux et épais qu'on retrouve dans toutes les huiles et graisses animales et végétales. Ici, c'est une glycérine végétale que je suis allé acheter en pharmacie. Ça n'a pas d'odeur et c'est transparent. Donc tu mélanges ça avec un peu d'eau dans un contenant avec un vaporisateur et tu en vaporises un coup sur ta bouteille. C'est un produit que tu peux retrouver dans le maquillage, dans certains aliments et dans les cigarettes électronique. Ça tiendra beaucoup mieux que juste avec de l'eau, puisque le côté visqueux de la glycérine va faire que le mélange va coller un peu plus à la bouteille. Et ça tiendra au moins le temps du plan à tourner. C'est un truc qui est pas mal utilisé dans la publicité d'ailleurs. Ah, et la glycérine peut aussi être utilisée pour faire de la fausse transpiration. Et bien sûr, attention à vous, comme avec tous les produits que je vous présente, vérifiez avant si vous y êtes pas allergique. Ça évite de faire trois tours de pâté de maison aux comédiens avant de tourner un plan. Mon amour ? Non, je viens de rentrer du sport là. Ah, j'en peux plus.